devrons d'abord compter pour notre développement économique que sur nos propres ressources humaines et financières. Beaucoup d'entre nous, le chemin de fer de Tambao n'est pas un projet inconnu. Il a été l'objet des préoccupations de tous les gouvernements voltaïques, depuis qu'il a été esquissé en 1965, et l'on a pu dire à juste titre que les projets de Tambao, avec les composantes minières, ferroviaires et de cimentier, sont le projet le plus populaire de la Haute-Volta, et que depuis plus d'une dizaine d'années, il a symbolisé les efforts de développement voltaïque. Le premier tronçon Ouagadougou-Kaya que nous démarrons officiellement aujourd'hui, long de 102 700 km, sera l'image et la réplique exacte du chemin de fer Ouagadougou-Kaya-Dori-Tambao-Tinrasan qui s'étendra sur environ 375 km à travers le centre-nord et le nord-est voltaïque. Il prolongera le réseau actuel Abidjan-Ouagadougou avec le même écartement métrique. La réalisation de ce premier tronçon de 102 km exigera la mise en œuvre de 632 000 m3 de remblai, la mobilisation de 331 000 m3 de déblai, la construction de 4 ouvrages d'art importants de 70 à 150 mètres de longueur à travers le Massili, la Volta Blanche et la Boussouma. La mise en place de plus de 200 petits ouvrages buses et dallots de dimensions diverses, la pose de 260 tonnes de rails pesant 30 kg